Bonjour, comment vous allez? Moi, ça va. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas du tout une formule mathématique. Ça veut dire que ça peut marcher pour x, y, z et ça ne marche pas pour e, f, g, comme je le dis toujours. Donc, mais c'est une petite astuce que je vous donne qui peut vous aider. Malheureusement, les tantines et les mamans, oui, ça peut juste vous aider, mais ce n'est pas vraiment, vraiment pour vous. Mais ça peut aider quand même pour ne pas tirer de long en large. J'aimerais vous montrer une petite astuce, comment faire pour éviter les rides trop précoces ou bien, comment dire, ralentir un peu le vieillissement, si on peut dire de manière naturelle. Là, je ne vois rien. Je ne vois rien. Bon, en fait, si vous avez remarqué, toujours pour ne pas tirer de long en large, certaines personnes, quand ils se poignent le visage, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, se poindre le visage, donc quand ils mettent la crème sur le visage, d'autres font ça. Vous voyez comment dire, la direction, non? Comment dire, le sens dans lequel je bouge mes mains. Donc d'autres font ça, d'autres font comme ça, d'autres vont dans tous les sens. Ben, chacun y va de sa façon, hein? Donc ils s'en foutent, pourvu que comment dire, la crème ait pris le visage. Mais ce qu'on dit, vous ignorez peut-être, c'est que le visage a un sens. Le sens du visage, c'est de l'intérieur à l'extérieur. C'est-à-dire que le visage, c'est comme un cercle, quoi. Donc voilà le centre de votre visage qui est le nez. Et à partir du nez, tout va dans ce sens. Dans ce sens. Et quand vous voulez vous oindre, si vous remarquez bien, même si vous ne vous voyez pas, si vous remarquez bien, quand je fais ça, par exemple, vous voyez que je froisse mon visage, n'est-ce pas? Regardez un peu. Quand je fais ça, je me donne des frissures sur le visage. Mais si je fais ça, vous avez l'impression que je me tire le visage, n'est-ce pas? C'est la même chose. Donc, le petit secret, le petit astuce, c'est que quand vous mettez la crème sur le visage, respectez le sens du visage. Simplement. Il n'y a pas autre miracle. C'est juste partir toujours du centre vers l'extérieur, toujours du centre vers l'extérieur, toujours du centre vers l'extérieur. Et quand vous faites cette pratique, ce n'est pas un truc qu'il faut faire en une semaine et puis on s'est dit que bon voilà pourquoi mon visage n'est toujours pas lift. Non, c'est quelque chose que vous faites à vie. C'est comme ça qu'il faut se coindre le visage si vous voulez comprendre. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Vous avez dans la vingtaine, vous avez dans la trentaine, donc vous êtes encore en bonne, comment dire, en bonne période pour lifter votre visage de manière naturelle. Je suppose que beaucoup ne peuvent pas me donner mon âge. C'est pas dire que voilà, je suis vieille en tant que ça. Non, non, non. Excusez-moi. Je suis très jeune, mais je suis quasiment sûre à 95% que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas me donner mon âge. Je vous dis pas que c'est parce que je fais ça forcément que voilà, je garde, je n'ai pas toujours de rides. Non. Parce que certaines personnes sont prédisposées à la vieillesse précoce, donc on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais ça, c'est pour atténuer, comme je dis toujours, les méthodes que vous prenez souvent, c'est beaucoup plus pour, comment dire, même si vous êtes prédisposé à quelque chose, que ça ne soit pas grave, vous comprenez un peu, que ce soit atténué. Si vous êtes prédisposé à avoir des rides précoces, cette méthode va juste vous permettre d'avoir moins de rides que si vous ne faisiez pas cette méthode. Je ne sais pas si je me fais un peu comprendre. Je n'ai pas dit que si vous faites ça, vous n'allez plus avoir de rides. Non. Moi-même, je vais vieillir, je vais avoir des rides. Inch'Allah, si je vieillis, si j'arrive à la vieillesse, si Dieu me prête longue vie, j'aurai certainement des rides à un moment donné. Mais pour l'instant, je n'en ai pas. Parce que ça fait des années que je fais cette pratique également. Et je vous passe un peu cette petite astuce. Comment dites-vous, oignez, je ne sais pas comment on dit ça. Toujours dans le sens de. Peut-être que quand vous partez dans les soins esthétiques, vous n'avez jamais remarqué que les esthéticiennes, les vrais esthéticiens professionnels, hein, elles font toujours les soins dans le sens du visage. Donc, tout se fait dans le sens du visage parce que un mauvais soin, vous vieillissez comme si. Je vous assure, hein, ça vous semble peut-être une blague, mais c'est très vrai. Et vous savez que quand on gâte quelque chose pour arranger, c'est très compliqué. Alors, si vous vous faites froisser le visage,
pour récupérer et pour refaire le lifting, c'est très compliqué. Il faut plusieurs séances pour que le visage se tende un peu. Alors pour vous-même, de manière naturelle, commencez déjà chez vous. Chaque fois quand vous voulez poindre le visage, pour ceux qui soignent le visage, parce que s'il y en a qui n'utilisent pas la crème, ils ne veulent pas. Même si vous n'utilisez pas de crème, de temps en temps, faites cette petite pratique-là pour lifter de manière naturelle votre visage. Donc voilà, le visage, il se lifte. Moi, voilà, par exemple, c'est comme ça. Toujours, 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 toujours. Donc, j'ai mon baume à lèvres, là, j'ai pas envie de me mettre ça sur tout le visage, c'est pour ça que j'évite la bouche. Mais sinon, voilà, donc si vous faites ça, vous voyez, non. Donc ça fait que la peau du visage, elle se tire vers l'extérieur. Et quand vous tirez, ramenez tout au niveau du cuir chevelu ici, parce que c'est là-bas que se termine, si vous voulez, les bords de votre visage. Donc vous partez laisser la peau là-bas, comme on peut dire. Donc votre visage se tire vers l'arrière, et c'est comme ça que vous avez le visage toujours rayonnant, toujours un peu rajeuni. Donc j'espère que cette petite astuce va aider beaucoup de personnes. Aussi, en passant, une autre chose qui vous donne un peu un vieillissement précoce, c'est l'utilisation de très mauvais make-up. Donc pour ceux qui mettent le make-up, essayez souvent de trouver des make-up de très très bonne qualité, parce que quand vous utilisez du make-up de mauvaise qualité, ça vous froisse le visage et ça vous fait vieillir un peu plus vite aussi. D'accord? Bon, allez, à la prochaine.